voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. En divers lieux, des pestes et des famines. L'annonce s'installe. D'après l'UNICEF, d'ici quelques semaines, elle pourrait affecter 4,5 millions de Somaliens, presque la moitié de la population. Depuis le début de l'année, 13 000 cas de choléra et de diarrhée ont été recensés. Les centres pour enfants mal nourris ne désemplissent pas. Les maires s'interrogent sur l'avenir. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive.
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Meurs avec Christ, ressuscite avec Christ. Voilà, viens Saint-Esprit, Saint-Esprit viens et délivre-la. Meurs avec Christ. Vraiment, je n'ai plus mal. Waouh! Dieu, merci pour la guérison, car la douleur va partir. Sentez votre tête. Non, je ne ressens aucune douleur, frère. Maintenant, la douleur est partie. Oui, la douleur est partie. Jésus est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Cool. Nous sommes nés, arrivés sur Terre avec un but, celui de chercher et de trouver Dieu. Le problème, c'est qu'on ne le cherche pas. Et de ce fait, on ne le trouve pas. Avez-vous entendu parler de Jésus ? Nous vivons 2015 ans après Jésus-Christ. Dieu est réel et il nous appelle à être ses disciples, pour témoigner et montrer au monde qu'il est vivant. Le 5 avril 1995, je me suis repenti. J'ai reconnu que j'étais pécheur et j'ai donné ma vie à Jésus. Une lumière est entrée dans mon corps, je suis tombé et j'ai rencontré Dieu. Quand vous devenez chrétien, né de nouveau, l'Esprit de Dieu vient et vit en vous. Et vous ferez les œuvres que Jésus a faites. La Bible nous dit de pratiquer la parole, et pas seulement l'écouter. Acte 22:16. Et maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Et si vous confessez votre péché et l'exposez à la lumière, vous expérimentez le pardon. Mais si vous le gardez dans votre cœur, chaque fois que vous ferez un pas vers la lumière, Satan va vous dire « Mais souviens-toi, souviens-toi !» Oui, il fait cela. Et Dieu veut que nous pensions à nouveau, à nos vies et comment nous avons vécu. Si nous devons repenser à Dieu et comment nos péchés l'affectent, alors Dieu aussi doit repenser à ce qu'il pense d'eux. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance.